tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui c'est le retour des Tonops, des majorés de Tonops. Parce que, ben, souvenez-vous, lors de mes dernières vidéos de la série 2, hein, donc de l'année passée, 2022, eh bien il me manquait deux modèles pour compléter ma collection et avoir la totalité de la collection, donc avec 18 modèles. Et ça y est, et ces deux modèles sont trouvés. Donc aujourd'hui je vous en présente un et je vous garde le Graal, hein, le plus rare, hein. Ça c'est bien sûr l'ultra rare que je vous garde pour la dernière vidéo. Ça y est, je l'ai trouvé également. Celle-ci, je l'ai trouvé également il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, c'est pas une ultra rare, c'est pas une super rare, c'est pas une rare. C'est une cool. Et je l'avais encore jamais, jamais eu l'occasion de mettre la main dessus. Donc la voici. Alors, on va de suite ouvrir cet avant-dernier blister, cette avant-dernière boîte de 2022. Alors apparemment ça va être compliqué, plus que compliqué, de trouver les 2023, puisque certains d'entre vous m'ont même mis en commentaire que la collection 2023 ne serait même pas distribuée en France. Alors ça, bon, à voir, à confirmer, mais bon, ça serait vraiment un sacré coup dur. Parce que là, dans ce cas-là, ça serait uniquement sur Internet qu'on pourrait l'obtenir. La fameuse vis, cette vis qui nous a donné tant de mal, hein, enfin, à moi particulièrement, il n'y en aura plus sur, sur la troisième série 2023, il n'y aura plus de vis. Donc, tant mieux. Mais on verra tout ça au moment voulu. Allez, on va découvrir maintenant ce modèle. Après plusieurs mois, hein, quasiment 9 mois, je crois, la dernière que je vous ai faite. Alors, je n'avais pas celle-ci, donc on regarde. Et voilà, c'est bien celle-ci. C'est bien celle-ci qui me manquait. C'est l'Audi R8 rouge. Alors, elle est superbe, celle-là. L'autre est très jolie aussi, hein, mais celle-ci, elle est très, très sympa. Alors, le petit flyer, on le garde et on le range. Voilà. On va découvrir le petit jeton collector. Tac. Et c'est donc une Audi R8 coupée full grip. Cool. Alors, la miniature en elle-même, bah, les Audi R8, elles sont jolies, hein, c'est bon, c'est une valeur sûre. Bon, c'est un modèle streetcar à la base, il n'y a pas d'ouvrant, mais voilà, elles sont sympas. Donc rouge avec des jantes blanches, Audi Sport, des motifs blancs, voilà, l'arrière. Et donc le châssis tout noir, tout lisse. Alors, les accessoires, ça va aller vite parce qu'il n'y en a qu'un. Enfin, il n'y en a qu'un, plus les 4 pneus gomme. Et donc, hop, voilà, le bas de caisse gris. Alors, il n'est pas très, très, très joli celui-ci. Mais bon, alors on va y mettre notre miniature. Voilà. Et maintenant les pneus gomme. Hop. Alors, en essayant de les mettre correctement pour que les roues roulent. Bien, voilà. Le dernier, voilà. Ah ben.
Voilà. Alors, il y en a un qui déconne. Enfin, qui déconne. Là, ça va peut-être mieux. Pourquoi ? Alors, on peut le voir. Ah non, c'est bon, ça roule. Alors là, voici. Donc, on a les petits stickers comme habituellement. Alors ça, j'en ai une collection puisque je ne m'en sers pas. Alors là, voici ce petit modèle qu'on n'avait pas. Hein. Cool. Ouais, pas mal, pas mal. Voilà, c'est pas la plus vilaine. Avec l'accessoire, c'est pas la plus jolie non plus, hein, loin de là. Mais voilà. C'est donc le modèle, le 17e que je vous présente. Voilà les amis, bah écoutez, il restera plus qu'une vidéo à faire sur cette série 2 de 2022. Faudra pas la manquer parce que c'est l'ultra rare. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Tenups. Hugues.